tout le monde, donc bienvenue dans cette nouvelle série Hippomag. Donc on va faire une première leçon sur les allures. Donc un thème assez basique mais qui peut servir à de nombreux galops. Donc notamment le galop 1 pour reconnaître et nommer les trois allures principales. Le galop 3 pour décrire le mécanisme du pas, du trot et du galop. Le galop 4 ça va être pour expliquer un peu le mécanisme du galop à droite et à gauche. Et reconnaître les deux. Et enfin pour le galop 6, expliquer les allures artificielles ou défectueuses, définir le galop à faux et ses qualités, expliquer le mécanisme du reculé. Donc on peut voir que c'est un sujet qui peut être pris avec plus ou moins de rigueur sur les différents galops. Voilà. Donc dans cette vidéo, on va parler des 5 allures de base, on va les décrire, on va également parler des allures défectueuses, des allures artificielles, on va parler des transitions, montantes, descendantes, simples, complexes, on va aussi parler de l'attitude du cheval et du cavalier, qui peuvent varier selon l'allure, et on vous donnera quelques définitions. Bah, c'est une allure qui est marchée à 4 temps égaux avec une vitesse qui tourne aux environs de 7 km/h. Donc son mécanisme il va être composé tout d'abord du posé du postérieur droit, puis de l'antérieur droit, ensuite il va venir le postérieur gauche et enfin le posé de l'antérieur gauche. Donc le pas c'est une allure qui va connaître des variations, donc notamment le pas espagnol, le pas rassemblé, le pas moyen et le pas allongé. Donc ces quatre variations que je viens de citer sont dans un ordre croissant de vitesse. Comme autre allure de base, on a le trot qui est une allure sautée à 2 temps égaux avec une vitesse d'environ 14 km/h. Son mécanisme est le posé du bipède diagonale droit, donc c'est l'ensemble antérieur droit et postérieur droit, projection, puis posé du bipède diagonale gauche qui est l'ensemble de l'antérieur gauche et du postérieur gauche, et à nouveau une projection. Le trot possède des variations qui sont le passage, le trot rassemblé, le trot de travail, le trot moyen, le trot allongé et le trot de course. C'est l'allure qui possède le plus de variations possibles. Le galop est une allure dissymétrique à 3 temps, avec un temps de projection. C'est une allure avec une vitesse qui avoisine les 20 à 30 km/h et peut aller jusqu'à 70 km/h pour un cheval de course. Donc on retrouve deux mécanismes du galop, donc en fonction de la main à laquelle on se trouve. Donc le galop à droite, il va être composé du posé du postérieur gauche, posé du bipède diagonale gauche, posé de l'antérieur droit et une projection. Ensuite, le mécanisme du galop à gauche, ça va être posé du postérieur droit, posé du bipède diagonale droit, posé de l'antérieur gauche et projection. Donc on va retrouver aussi des variations dans le galop, donc comme le galop rassemblé, le galop de travail, le galop moyen, le galop allongé et le galop de course. Le reculé est également une des allures de base naturelle. C'est une allure marchée rétrogradée par association du bipède diagonale à deux temps. Le mécanisme du reculé est arrêt, rétropulsion du bipède diagonale gauche, soutien et recul du bipède diagonale droit, base quadrupédrique, rétropulsion du bipède diagonale gauche, soutien et recul du bipède diagonale gauche, base quadrupédrique. Cette allure ne possède pas de variation. Le saut, c'est une allure de propulsion par poussée des membres. Donc son mécanisme, il va être composé d'une battue des antérieurs, ensuite une battue des postérieurs, une phase ascendante, un plané, une phase descendante et une réception. Donc le cheval, il va s'articuler différemment en fonction de la hauteur et du type d'obstacle rencontré. Le cheval possède également des allures défectueuses, comme le traquenard qui est un trot décousu, dit aussi désuni. C'est la dissociation des bipèdes diagonaux et l'anticipation du postérieur gauche lors du posé du bipède diagonal droit. Et il y a aussi une dissociation du bipède diagonal.
Le galop des unis, c'est le posé d'un bipède latéral au deuxième temps au lieu d'un bipède diagonal. Pour le galop à droite, c'est galop à droite des postérieurs et galop à gauche des antérieurs et posé du bipède latéral gauche. Pour le galop à gauche, c'est le contraire. C'est galop à gauche des postérieurs, galop à droite des antérieurs et posé du bipède latéral droit. L'amble, c'est l'avancée du bipède latéral droit et l'appui du bipède latéral gauche. Sachez quand même que l'amble est une allure naturelle pour le poney islandais. L'aubin du devant, c'est le trot des postérieurs et le galop des antérieurs. L'aubin du derrière, c'est le galop des postérieurs et cette fois-ci du trot des antérieurs. Le galop à quatre temps, c'est une allure qui peut être à la fois très rapide et très lente. C'est une dissociation du bipède diagonal, deuxième temps dédoublé, l'anticipation d'un postérieur ou d'un antérieur lors du posé du bipède diagonal. Elle se décompose en 6 phases alors que le galop à 3 temps, le normal, se décompose en 5 phases. Dans sa domestication, le cheval a acquis par le biais du dressage des allures artificielles comme le pas espagnol, le piaffé ou encore le passage. Il existe également des allures sur place, comme la courbette, le cabré, le piaffé et la croupade. Ce sont également des allures artificielles. Pour passer d'une allure à une autre, on utilise des transitions. Donc pour passer donc d'une allure à une autre, il y a des transitions simples et complexes. Donc une transition simple, ça regroupe les transitions montantes et descendantes. Une transition montante, c'est une transition à l'allure supérieure, par exemple le pas au trot. Une transition descendante, cette fois-ci, c'est une transition à l'allure inférieure, donc par exemple du trot au pas. Ensuite, une transition complexe, ça regroupe les transitions interallure et intraallure. Donc la différence, c'est qu'une transition interallure, ça va sauter une allure, par exemple du pas au galop. Et une transition intraallure, c'est une transition qui se fait au sein d'une même allure. Donc trot de travail au trot moyen. L'aspect d'une allure peut changer en fonction de l'attitude du cheval ou du cavalier. Au pas, plus on accélère, plus on a de balance. Au trot, on n'a pas de changement d'attitude, mais on ne veut pas voir un cheval qui modifie ses cadences. Dans une transition pas galop, il faut maîtriser parfaitement les hanches et les épaules. Un changement de pied galop, pas galop, est appelé un changement de ferme à ferme, alors qu'un changement en gardant le galop est appelé un changement de pied en l'air. Et voilà, c'est terminé pour ce premier numéro de Hippomag, on espère que ça vous aura plu. Ça nous a pris beaucoup de temps de le faire, on espère que ce nouveau format de vidéo vous plaira, un peu de théorie. Donc n'hésitez pas à retrouver le cours sur notre site internet, vous avez le lien en barre d'infos. Voilà !